Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du challenge des enfants parfaits. C'est tellement agréable quand ils dorment tous. Philippe, tu me casses les couignettes. Tu sais quand tu me casses les couignettes? Eh ben, va prendre une douche, hé, petit! Tu es déjà levé à 4 h du matin. On est mercredi. On va faire un petit tour d'horizon rapide des qualités personnelles encore à développer pour nos petits hommes pains. Commençons par Louise. Parce que moi, en plus, entre-temps, j'ai déjà oublié. Je tiens à vous le dire. Alors, nous devons augmenter sa résolution de conflit, son empathie, son contrôle des émotions. Parce que les manières, ça passe. La responsabilité, c'est nickel. Ok. Non, parce qu'en fait, je vais oublier dans 5 secondes. Donc, ça m'énerve, en fait, de regarder ce genre de trucs. Philippe, ben lui c'est plutôt pas mal, il a surtout les manières. Et peut-être un peu l'empathie quand même à améliorer si possibilité. Paul, manières et contrôle des émotions. En empathie, il est hyper bien. C'est super. Ok, manières, contrôle des émotions. Charlotte, elle est très mal barrée. On a manières, contrôle des émotions, empathie. Aurélie, nous avons. La résolution de conflits, contrôle des émotions et l'empathie. C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. C'est compliqué quand même à gérer. Hein. Nicolas, bah ouais, responsabilité, manière, ça passe. Et les contrôle des émotions, c'est quand même aussi, ça passe. Donc l'empathie, résolution de conflits. Et Cécile, faire les manières, l'empathie, résolution de conflits. Donc en fait, il y en a un qui a beaucoup de manières à bosser, c'est Paul. Ouais, Paul. Philippe. Charlotte. Et Cécile. Ah, ça en fait quand même, hein. Faudrait que je fasse. Que j'achète 15 000 tables. Pour qu'ils mettent la table. Mais. On n'a pas que ça à faire, quoi. Et on n'a peut-être pas forcément le budget. Ok, donc on va remettre en route. Et John, lui, bah tout va bien. Et on devrait avoir une bonne petite promotion d'ailleurs. Qu'on commence à 9 h du matin. Ah, ça y est, ça se réveille dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bruit fort. Oh, y a un. Mais non, t'as une lampe. Mais. À quoi elle sert cette. Non, hein. Non, 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 je suis pas d'accord. Tu vas te coucher. Allez, va faire une sieste si tu veux. Mais ça sert à quoi, c'est d'avoir une lampe s'il y a un monstre quand même quand il y a une lampe, quoi. Oh, j'en ai marre, moi, de ce monstre. Hein. Bref. Oh non, mais j'en ai marre. Paul, non, Philippe, mais débarrasse tout. Voilà. Oh! Tu arrêtes de dire des gros mots, toi, là. Et il va remettre la table. Décontracté, brun clair, c'est magnifique, dis donc. Les couleurs. Cécile, ça va pas, elle est partie faire son pipi, d'accord. Cécile, elle a bien dormi, tu vas prendre une petite douche, du coup. On va voir si papa. Il se réveille tout ça va être l'angoisse. Papa, il n'a pas encore fini de dormir. Aurélie, tu dois aller aux toilettes. Bah, va aux toilettes. Ouais, au moins ce sera fait. Oh là là. Ça m'angoisse quand ils se réveillent tous comme ça. Nicolas est déjà en train de jouer, j'avais même pas vu qu'il était élevé. Tu vas pouvoir aller aussi aux toilettes, mon petit. Ouais, je sais plus. Nicolas, j'ai dit. Nicolas, tu peux aller aussi aux toilettes. Hein. Ça n'use pas de pain. Ça mange pas de pain, comme je dirais, plutôt. Bah, écoute, tu vas aller manger, toi. Allez. Ils vont tous aller manger. Toi, tu vas aux toilettes et puis tu vas aller manger. 9 de la créativité pour Aurélie, c'est énorme. Tu dois manger aussi, ma cocotte. Tu vas prendre une petite douche, peut-être. Non, mais il y en a, ils sortent des. D'accord. Ok. Toi, si tu vas aller manger. Paul, il me semble. Non, oui, c'est ça. Un petit peu de musique. Ok. Charlotte, je l'avais renvoyée se coucher. Bah ouais, il est même pas 7 h du matin, ils sont tous levés. C'est quoi ce délire? On n'a jamais la paix. On n'a jamais la paix avec ces gosses. L'angoisse. Louise. Ok, je vais l'envoyer à la douche.
et manger. Ah bah il y avait déjà à manger en fait, j'avais complètement oublié. Frittata aux épinards. C'est pas mal ça. Lui veut manger des petits pois. D'accord. Les cours commencent. Et est-ce qu'ils ont tous fait... C'est quoi ça? Ah oui, c'est leur... Attendez, parce que là, moi, écrire dans le journal intime... Je ne sais plus. Tu vas écrire aussi. On va tous les faire écrire dans le journal intime avant d'aller en cours. Toi, tu peux te lever, s'il te plaît. Toi aussi. Et tu vas écrire dans ton journal intime. Ah, non, elle n'a pas fait ses devoirs. Non, mais quand même. Ah ouais, non, mais là, toi, tu as fait tes devoirs. Toi, c'est bon. Elles n'ont. Travail supplémentaire. Travail supplémentaire. Travail supplémentaire. Toi aussi, tu vas écrire dans ton journal intime. Allez. Je leur fais un peu écrire. Ah bah lui, j'avais déjà mis fou. Voilà. Mais voyez, je m'embrouille. Il y a tellement de gosses. Je sais plus. Honnêtement, je ne sais plus ce qu'il faut faire ou pas. Oh là là, Paul! T'arrêtes tout de suite. Un contrôle des émotions pour tous. Hashtag contrôle des émotions pour tous. Mais toi, t'es bien, toi. Et tu vas écrire aussi dans ton journal. Attends, tu déconnes ou quoi? Mais quoi? Mais quoi? Il a quoi ton journal? Bah, va là, j'en sais rien moi, qu'est-ce que tu veux? Bah, va t'asseoir là, je sais pas. Il n'y a rien de compliqué dans ta vie, après tout, tu sais. T'es qu'une enfant. Papa, il va bientôt se lever, il va manger un bout de frittata. Oh mon Dieu, tu m'agaces! Tu m'agaces! Écris dans ton journal. Ça n'avait pas trouvé une chaise et une table pour se faire cette activité. N'importe quoi. Bah oui, excusez-moi. Ça y est, il a sa promotion. C'est-à-dire qu'il est... Eh ben, il est 8h, ok. Personnalité d'Internet ou relations publiques. Chercheur sur Instagram. Tout le monde peut devenir célèbre sur... Tout le monde peut devenir célèbre sur Internet. Continuez à grandir votre armée d'abonnés grâce à des farces et des blagues pour atteindre votre but ultime, être une superstar dans l'Internet. Ou... Relations publiques. Le monde de l'entreprise n'est pas toujours négatif. Il vous permet d'entrer en contact avec les plus grandes célébrités et de promouvoir de gros produits. Convaincre les gens de se mettre en avant est l'un de vos plus grands talents. Il n'y a rien que vous ne puissiez tourner à votre avantage. 8h-16h ou 10-15. Alors, bah, alors c'est moins bien payé. Ah, mais. Ah ouais, mais lui, il a les horaires. Il part 1 heure avant ses gosses, il revient 1 heure après ses gosses, mais il a les week-ends. Et lui, il a 15 jours sur deux, quoi. C'est pas... Oh là là, je sais pas. Parce que lui, ça m'embête pour les horaires. Lui, il y a les horaires qui passent mieux, mais c'est les jours. Bah écoutez, au pire, on prendra un jour de vacances tous les samedis. Non? On va prendre ça. Allez, chercheur sur Instagram. Alors oui, si je prends pas déjà le bon... On va travailler à la maison comme tous les jours. Depuis la maison. Voilà. On doit mettre à jour. Attendez. Mettre à jour son profil sur le réseau social 2 fois. Améliorer sa compétence de jeux vidéo. Très bien. Mais en attendant, papa, il va manger les petits pois. Ça sera fait. Moi, je vais mettre les trucs ici. Tous les enfants. Bah, il y en a un qui est déjà parti. Tu vas réviser assidûment. Voilà. Ils s'écrivent tous et puis ils vont tous aller à l'école. C'est parfait. C'est parfait. Tout le monde va partir. Oh, elle en peut plus, Louise. Non, pas Louise. Cécile. Je sais, j'arrive plus. Il y a trop d'enfants dans ce ménage. J'ai plus d'assiettes à acheter. D'accord. Bon, comme ça, le ménage, il est vite fait. Alors, toi, tu vas aussi te f... non, pas te faire des amis, tu vas réviser. Toi, tu vas réviser. Toi, tu vas réviser. Et toi, tu vas réviser. Bon, on attend les deux dernières. Bon, elle va y aller, ça y est, contre les émotions remontées. Louise, faut qu'elle finisse de manger. C'est pas grave, vas-y, va à l'école. Toi, bah, tu vas jeter, tiens. Ça, je vais le ranger. Tu vas prendre une petite douche.
Tonifiante. Travailler commence dans 1 heure. On va travailler depuis la maison, on va travailler depuis la maison, je l'ai déjà dit. Mais c'est plus du tout la même chose. Être magnifique avec 5 sims, d'accord. Avoir 1000 abonnés, atteindre un niveau 3 de compétences jeux vidéo, d'accord. En soi, c'est pas très compliqué. Améliorer sa compétence charisme. Il va se refaire une beauté. Conséquence des bonnes notes. Maintenant que Philippe fait partie des meilleurs élèves, il pourrait aussi bien porter une feuille collée sur son dos et écrit dessus « Frappez-moi ». Attendez une minute. C'est vraiment le cas? Doit-il prévenir l'instituteur ou tenter de... Prévenir l'instituteur. Impliquer l'instituteur n'est pas toujours la meilleure idée et Philippe étant dans quelle école primaire n'est pas la pire des idées non plus. Surpris qu'avec du marqueur en plein dans les mains, le responsable de la blague contre Philippe est envoyé chez le directeur, puis pire encore, chez lui pour affronter une sa mère furieuse. Et ouais. Alors, est-ce qu'il y aura des Sims pour être facétieux avec eux? T'as pris ta douche, mon coco? Ouais, il y a l'air. Ta compétence charisme, comment elle se passe? Bah, attendez, on est déjà. Améliorer sa compétence charisme, on est déjà quasiment 4 et lui il me compte. Ok, d'accord, je crois que c'est bugué un peu. Je ne veux pas. Ah là là, le truc fitness. Aurélie est malade. Qu'on n'embête pas. Ok. T'as fini de... Allez, s'entraîne-toi à faire un discours, je sais pas. Il faut que, apparemment, t'as pas gagné de points. Whoa, C'est Palmer. compliqué, votre truc, Tavernet. mais... Ashguin Bekoya. Ooh. Ensuite, tu Holy vas Zeus. mettre à jour ton réseau social. Oh, il y a plusieurs trucs. Réseau social. Faire de la publicité, supprimer. Ah, oh, mais on va l'ignorer. Ça me coupe tous mes trucs, moi. Hein. Réseau social. Partager les blagues avec ses abonnés. Ensuite, tu vas aussi partager une photo. Voilà. Allez, dépêche-toi. Augmente ton truc. Ah, il y a des gens qui passent dans la rue. Ta 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 ta. Ok, niveau supérieur, on est bon. Allez, va, ouais, bah c'est pas grave, tu iras pisser après, mon gars. Non, j'ai dit arrêter. Va faire ton truc de réseau social, dépêche-toi. Mais, what the fuck? Oh là là, bah oui. Bah oui, ça va pas. T'es retoilette après. Effectivement, tu dois un petit peu y aller. Juste un petit peu. Alors, il a 630 abonnés maintenant. Là, il fait des blagues. Donc, il va encore en gagner un petit peu. Il en a plus que moi, John. Hein, comme... Je dis ça comme ça. Il a plus d'abonnés que moi. Allez, dépêche-toi parce que t'as rien fait de ta journée et. Oh ouais. 175 abonnés comparant l'économie d'année. 805 abonnés! Ah oui! T'es famous là déjà! Hein. Allez, dépêche-toi! Tu partages ta photo, tu vas gagner encore des abonnés. 825, voilà! Il en a gagné 200 en faisant 3 trucs quoi. Moi aussi, je devrais partager des photos. Tout ça. D'ailleurs, oui, bah, tant qu'à faire, j'ai créé un compte Instagram. Donc, vous pouvez me rejoindre, où justement, vous verrez un peu de photos, peut-être un peu de ma bouille, si vous voulez savoir à quoi je ressemble. En vrai, bon, pour l'instant, c'est à peu près. Hein. C'est pas du vrai. Et c'est Agent Shirley avec 2 Y à la fin, puisque le premier Y était. Enfin, seulement un seul Y était déjà pris. Alors, on va attaquer les Sims. Taquiner de manière malicieuse. Il faut être malicieux. Nous, on va être malicieux avec. Don Notario, c'est bien ce que je me disais. Allez, John, enchaîne. Sois malicieux avec ce monsieur. Tiens, lui, ses écouteurs aussi, ça y est, ça va être. Je dois vraiment y aller à plus? What? Mais t'as pas été malicieux du tout, faire les yeux ronds. Vous êtes même pas adressé à la parole. Cours-lui après. Mais t'as pas été malicieux? Non, c'est la malice, ça c'est humour. Alors malice, c'est ça. Donnez une bonne baffe. Allez. Tiens, voilà. Ok, compétence malice. C'est bon.
Ah là, ça fait un. Oui, allez, on invite tous les. Oh, le gloopy boulgal de gosse qui est arrivé. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais pourquoi t'as mis un bonnet? Mais pourquoi elle a un bonnet? Nos sont en haute. Nos sont en haute. Les nos sont en haute. Et pas non. Les notes sont en hausse pour Louise qui a bientôt un A. Filtre de Ré, meilleurs établissements, fait partie des meilleurs élèves, responsabilité d'Aurélie. Apparemment, Aurélie, elle a un problème avec l'alphabet. Elle a un A, un A. Eh ben, je crois que tous nos gamins ont A. Louise a A. Philippe a A. Paul a A. Charlotte a A. Aurélie a A. Nicolas a A. Oh punaise, et Cécile a A. Yes! Vous savez pas à quel point ce truc, ça fait un des défis que dans ce challenge, puisqu'il faut les avoir les plus parfaits possibles, ces enfants. Des super notes à l'école, des qualités personnelles géniales. Il y a au moins ça qui réussit. Oh, ça fait tellement plaisir. Maintenant, je vais les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire, même si elle a un bonnet de merde sur la tête. Toi, tu vas arrêter de parler avec Dawn. Il faut que tu sois malicieux encore avec d'autres personnes. Donc tu vas Théo Martin, là, voilà. Tu vas être amical avec lui, et puis après, tu vas être malicieux, on s'en fout de Dawn, Lothario. Je t'ai dit, présentation amicale. Allez les gosses, vous savez pas quoi faire les petits. Bah toi tu vas aller te laver et t'amuser, toi. S'il faut que je leur dise tous quoi faire, bah toi tu vas faire tes devoirs, toi. Tu vas faire tes devoirs. Toi, ça va pas du tout. Tu vas être amusée. Charlotte. Tu vas t'amuser et tu vas faire tes devoirs. Non, ce que j'allais dire, tu vas dormir, mais non, c'est pas encore l'heure. Aurélie, elle va plutôt bien. Eh bah, tu vas faire tes devoirs aussi. Nicolas, lui, va super bien. Nicolas, il va faire ses devoirs et puis il va écrire dans son fulminé à cause du stress, c'est très bien. Cécile, elle va bien et elle va donc faire ses devoirs et elle va écrire dans son journal intime. On revient à Papa John. C'est du taf, hein. Pourquoi je me fais des défis aussi compliqués, quand même? Alors, c'est bon, tu discutes, on s'en fout, on va faire de la malice. Tu vas mentir sur ta carrière. On s'en fiche après, de toute façon. On le connaît pas. Tu vas aller voir le courrier, comment le courrier, le postier. Allez, c'est bon. Voilà, tu vas pouvoir dire bonjour au facteur. Oui, c'est ça, j'ai postier. Je sais plus. Alors, tu te présentes. Non, tu fais rien, on s'en fout. Voilà, tu lui as parlé, on va te faire de la malice. Et tu vas jouer un tour de poignée vibrante. Voilà. Tu vas demander à la madame, là. Ah, mais en plus, on la connaît déjà. Tu vas faire la malice. Tu vas l'effrayer. Tiens, ça sera rigolo. Voilà. Ça en fait 3. Allez, hop. Ah, elle, là. C'est une ado. Tu vas te présenter. Allez, on s'en fout! Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas aussi bien. Hop! Présentation amicale. Et on sera bien. Allez, John. Responsabilité de Cécile est compatible avec le trait de responsable. Bon, ok, c'est bon, celle-là. Tu la tèges. Tu vas parler à l'ado qui est juste derrière toi, s'il te plaît. Voilà, elle est mignonne et gentille. Et tu vas du coup tout de suite lui faire la malice. Tu vas donner une fausse bonne nouvelle. Voilà, on s'en fout en même temps. C'est juste histoire de. Ah, mais tu. Il le fait pas, il m'énerve. Allez, dépêche-toi. Donc, heureusement que les gosses ils savent s'occuper, hein. Ah bah oui, il y en a qui jouent. Tiens, va faire une présentation amicale à l'autre mec, là. Je sais pas comment il s'appelle. Il a en tout cas un super look.
Super look. Artiste. Ah, c'est un rebelle. Max Villarreal, bah oui. Voyons. Comment ne l'ai-je pas reconnu? Ah, Ok. Yenari. Tu dis Ah, bonjour. so-so. Class. Alors, et on va faire le dernier truc de Malice. Tu vas lancer une grumeur grotesque et on aura fait. Là, Malice avec 5 signes différents. On aura fait notre mission de travail à domicile. Après, nous atteindra les 1000 abonnés et le niveau 3 en compétences jeux vidéo, ça devrait aller être facile, hein, quand même, là, pour le coup. Et voilà! Du coup, on a gagné 88 Simflouz, apparemment. Bon, revenons à nos moutons. Est-ce que nos enfants sont sages? Est-ce qu'ils se débrouillent bien sans nous? Cécile, t'as l'air de rien faire de ta vie. Ah si, t'es... Ah oui, il y a l'assiette, mais elle écrit dans son journal. Très bien. Nous avions du boulot. Ouais, je sais pas pourquoi Louise, tu portes ce truc, je ne sais pas. L'empathie et pas GG. L'empathie... Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Tu vas jouer au docteur. Si je dis pas de bêtises, hein. Leur kit médecin. Ouais, c'est ça. Philippe, il est stressouille. Il va ranger un livre. Tu vas te contrôler tes émotions, mon petit. Fumine à propos du stress. Paul, lui, il fait du violon. Ok. Est-ce que tu vas faire tes devoirs surtout? Et oula, les manières et contrôle des émotions. D'accord. Et tu vas écrire dans ton journal intime aussi. Charlotte, elle va s'apprêter à faire ses devoirs, donc je la laisse tranquille. Aurélie, elle mange. Pardon. Aurélie, elle mange. Elle doit faire son contrôle d'invention et résolution de conflits. Eh bien, tu vas écrire dans ton journal intime. Ouais, ça va être beaucoup le journal intime ce coup-ci parce que bon, lui, il est déjà en train de le faire et Cécile, elle le fait. Bon, eh ben, c'est parfait. Il n'y a que papa, du coup. On va l'envoyer réparer le poste de musique. Et il commence à avoir faim, papa. Donc il va aussi préparer le dîner. Un petit chili. Je sais pas, je voulais pas cliquer là-dessus. Je voulais un fish and chips. Oh, dis donc, toi! Éducation. Ah non, mais j'ai vu qu'il a dit des mots. Regardez. Non, je sais pas. Il veut pas. Donc tu vas servir le dîner des fish and chips. Ma souris, elle veut pas descendre, elle monte. On a un truc qui pue, on le jette. T'inquiète pas, John, je m'occupe. Cécile, elle est du coup, elle est en train de contrôler ses émotions aussi. Elle a surtout besoin de manières et d'empathie. Eh ben, tu peux débarrasser, s'il te plaît. Tu vas débarrasser tout ça. Moi, je range là. Qu'est-ce qu'il y a, John? Oh, mais c'est incroyable comme ils peuvent rien faire, ces Sims. Fish and chips, allez! Fais à manger. Donc, Cécile, elle débarrasse. Oh là là! Il y en a un qui se... Dis donc! Ça va plus, là. Éducation. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas que de pas dire de mots de méchant, je sais pas quoi là. Je comprends pas. Pourtant, enfin, voilà, enfin, je sais pas. D'habitude, je le vois inciter. Hein. Bah, écoutez, je ne sais pas. Cécile, du coup, tu vas faire la table décoration de fête bleue. Et après, tu pourras jouer avec ton kit médecin. Enfin, un kit médecin qui est là, voilà. Tu pourras jouer au docteur. Nicolas, il sait pas quoi faire de sa life, je crois. Nicolas, bah, tu peux aller aux toilettes. Tu peux aller prendre une douche aussi. Au moins, ce sera fait. Tu seras en avance sur les autres. Ben, les autres, ça y est. Ils savent plus quoi faire non plus de leur vie. Tu vois, tu vas aller aux toilettes. On était avec Philippe. Ouh là là. Oui, toi, t'as beaucoup besoin d'aller aux toilettes.
Et tu vas prendre un petit bain de mousse, tiens, comme ça va te... Ou pas. Non, tu vas pas prendre un bain de mousse, tu vas jouer à la poupée. Voilà. Bon. Au moins, on est bien. Toi, tu regardes la télé, tu manges. Ok. Et toi, t'avais besoin de... Oh, contrôle des émotions et empathie à fond les ballons. Tu vas écrire dans ton journal plusieurs fois. Voilà. Deux fois. Et puis après, tu joueras avec le kit médecin. Aussi. C'est pire celui, d'accord, parce que j'allais dire pourquoi il y en a un autre qui a un chapeau, quoi. Louise, pourquoi t'as un vieux chapeau? C'est quoi ça? Fais le ménage. C'est bien, bah elle est responsable, hein, je crois. Elle est... Oui, elle a la responsabilité à Max. Par contre, l'empathie, c'est pas GG. Donc le kit médecin. En étant aider les autres. Ouais, mais pas tant que ça. Hein. Ah, il y a un kit médecin qui s'est libéré. Bah, tu vas jouer au docteur. Je crois que c'est elle qui avait déjà joué au docteur tout à l'heure. C'est que ça n'a pas beaucoup fait d'effet, hein. John, tu peux finir ton assiette quand même? Juste, je dis ça comme ça. Mon papa John, tu vas bientôt être papa encore une fois, hein, d'ailleurs. Je me demande si elle va nous appeler Lilith pour nous dire que t'es papa encore une fois ou je sais pas. Je vais apprendre à dire pardon à Charlotte, tiens. Paul, il a fini. Ok, c'est parfait. Tu sais quoi, tu vas aller aux toilettes. Et après, tu prendras à manger. Voilà, ça, Charlotte a sa résolution de conflit qui va augmenter. Ah, mais elle est déjà bien en raison du conflit. C'est plus empathie, alors. Zut. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est apprendre à lui dire pardon plutôt. Bah, c'est pas ce que je fais. Non, je sais pas. Je sais plus! Vous voyez, à chaque fois, je m'embrouille, moi. Il y a trop de choses, en fait. Ouais, mais non. On veut que tu viennes plutôt, ma belle. Pierce, on est désolé, on n'a pas eu le temps de s'occuper de toi. Ok, John, t'as un peu de temps devant toi. Tu vas pouvoir jouer. Alors non, tu vas faire ton réseau social avant. Tu vas mettre ton réseau truc avenue là. Tu vas faire de la pub pour un produit peu important. Voilà. Et ensuite, tu vas pouvoir jouer un petit peu à Big Block. Louise, à la fin, elle va aller manger. Toi, t'as ton contrôle d'émotion et empathie un peu augmenté quand même. Un petit tour d'horizon, est-ce que ça va mieux? Oh là là, Paul. Les manières, Paul, ça va pas. 850 abonnés. Tu veux débarrasser ça? Bonne manière, s'il vous plaît, merci quoi. Ouais, je fais le ménage et après je vais lui demander de mettre la table. Comme ça, il fait... ça avance un peu. Enfin, logiquement, ça avance un peu. On voit les autres gamins qui vont commencer à se coucher, il me semble. Pourquoi t'as... On a une assiette qui est là. Tu peux pas aller là. Mais c'est pas grave s'il y a des trucs qui sont occupés. C'est pas grave s'il y en a qui sont occupés. Allez, tu continues de mettre la table sophistiquée, désert, j'en sais rien, je fais n'importe quoi. Bon, Nicolas, il fait le ménage.
Il le fait à ma place. Nicolas, ça va bien. Hein. Empathie, résolution de conflit. Bah du coup, tu vas... Je vous docteur un petit peu. À la fin du partenariat, je jette un œil aux réponses. Trahison, lâcheur, boue, vendu, imposteur, ordure. Votre contrat est tombé à l'eau. Vous avez été copieusement insulté. Vous avez perdu 163 abonnés et vous n'avez même pas été payé. Ordure, ça fait mal. Oh la vache! Non, bah dis donc, je pensais pas que ce serait aussi violent, moi. Placement de produit, hein. On connaît tous ce que ça fait. Des placements de produits mal faits, surtout. On va arriver aux deux points dans le jeu vidéo. Comment ça, ça a redescendu? Non mais franchement, l'arnaque. Ça y est, compétence numéro 2. Alors du coup, il va reposter des choses sur son profil. S'il le veut bien. Oh, je t'ai demandé d'arrêter, là. Tendu quand même, hein. Il faut qu'on regagne nos abonnés qu'on a perdus. Tu dois aussi t'excuser vis-à-vis de tes abonnés, parce que quand même... Ah bah voilà, John, ici Lid, je voulais t'annoncer la naissance de Cécile, une magnifique fille. Mais on a déjà une fille qui s'appelle Cécile. Bon, et ben voilà, 707 abonnés, on remonte un petit peu. Ils nous en faut 1000. Bon bah Cécile, voilà. Alors, je suis un peu déçue pour le prénom, mais bon, les Sims et les prénoms, c'est soit hyper classique, soit hyper chelou. Donc voilà, réseau social. ⁇ 857, ben, il en a regagné pas mal là finalement. Tu te sens comment John? Ça a l'air d'aller. Tu vas aller aux toilettes? Tu veux faire quoi? Tu vas prendre une douche. Il est minuit. Est-ce que tous nos gosses sont au dodo? Oui. Par contre, on avait éteint ça. Là, je vais mettre ça là. Clac. Voilà, tous les petits sont au dodo. John va prendre un peu de temps pour lui. Et c'est super. On va aller voir rapidement la bouille de Cécile. La nouvelle Cécile, même si on voit rien. Voilà. La petite Cécile Vator. Vatore. Et voilà quoi, on verra bien comment il grandit. En tout cas, au moins Lilith, elle aura pas 7 bambins gérés, pas comme John. ça va être compliqué sinon. Alors, je vais demander de remettre son statut à jour pour une dernière fois. Et après, ce sera Dodo. On va voir s'il gagne encore plus d'abonnés. Objectif 1000. Ouais, on en a gagné d'autres. Nous sommes à 877. Ben voilà. C'est-à-dire que pour le prochain épisode, on aura peut-être les 1000 abonnés. On va pas aller trop vite là par contre. Puisque c'est là-dessus que je vais vous quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message ou à vous abonner pour voir la suite de ce challenge ou d'un autre. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.